Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir ce mois-ci de recevoir Thomas Muret, donc du domaine du Clos Saint-Landelin, qui avec sa sœur Véronique présente aujourd'hui une des plus belles définitions de ce qu'on peut retrouver au niveau des vins d'Alsace, mais particulièrement un cépage que me tient beaucoup à cœur. Bonjour Thomas, bonjour. Ravi de t'accueillir. Tu nous donnes quelques informations concernant l'histoire du domaine ? Bien sûr. Alors il y a l'histoire de la famille Muret et il y a l'histoire du domaine du Clos Saint-Landelin. Rapidement, Saint-Landelin, c'était un moine irlandais qui est venu évangéliser un peu tout le coin du sud de l'Alsace et un petit peu de l'autre côté du Rhin, nous les païens que nous étions à ce moment-là. Alors il y a une abbaye Saint-Landelin à Ettenheim-Münster, c'est de l'autre côté du Rhin, ouais. Et ces vignes-là, le Clos Saint-Landelin, comme il sera nommé après, était le vignoble que l'évêque de Strasbourg a donné en cadeau à cette abbaye. Alors, ces vignes étaient toujours soignées, aimées par les moines, jusqu'à la Révolution française, et à ce moment-là, bien évidemment, le Clos Saint-Landelin a été partagé en différentes familles autour de Rouffach. Et c'est entre les deux guerres que mon arrière-grand-père, qui était vigneron à Westalten, a pu acquérir, avec l'aide de la famille, le Clos Saint-Landelin. La famille Muret était vigneron depuis 1650 sur Westalten. Ouais, ils ont juste bougé de quelques kilomètres. Quelques kilomètres. Alors, vous avez des terroirs fantastiques. Est-ce que tu aurais la gentillesse de nous faire justement un petit tour d'horizon de tout ce que vous, tout ce que vous exploitez ? Alors, le cœur historique de notre domaine, c'est bien évidemment le Clos Saint-Landelin. C'est un lieu-dit qui est de la partie sud du Grand Cru Fort-Bourg. On a ensuite quelques vignes sur le Grand Cru Fort-Bourg, hein, que mon grand-père et mon père ont pu acquérir. La côte de Rouffach, c'est ce qui se trouve en dessous, hein, dans des zones qui sont un petit peu plus plates, avec un peu plus de terre, des sols un petit peu plus riches. Et j'aimerais citer aussi le Grand Cru de Zinkopflé, ouais. Où ma famille, il y a quelques générations, avait plus de vignes. Et c'est quelque chose qu'on aime aussi, qui est très, très différent. Là, c'est un peu les deux grands pôles. On a un domaine qui est assez regroupé. Mais ça c'est une bonne chose. C'est vraiment aujourd'hui pour moi un avantage au niveau du travail. Et surtout, ça vous permet, quoi qu'il arrive, d'avoir des expressions justement de vos différents terroirs, à mon sens, qui est parmi les plus intéressantes qu'on trouve dans la région. Dans le coin où on est, là, du sud de l'Alsace, c'est vrai qu'en une demi-journée, on arrive à voir toutes nos vignes. Et c'est, je pense, notre famille. On a pu acquérir beaucoup de connaissances sur les différents terroirs qui se trouvent là-bas parce qu'on a cette unité. Alors, ce que je trouve de génial, c'est bien sûr le rendu, l'éclat qu'on retrouve dans vos vins, pour moi, m'impressionne toujours. Et je serais ravi que tu nous parles un peu, que tu nous dises un peu, justement, quel est votre style de travail ? C'est quoi aujourd'hui la méthode de travail aujourd'hui, justement, du Clos Saint-Landelin ? Notre but, notre objectif, c'est qu'on ne nous voit pas, qu'on ne nous sente pas dans le vin. Je dis, nous, la famille Muret. On est au service de la vigne et on cherche à avoir la meilleure expression du sol et de nos vignes et de nos raisins dans le vin et qu'on ne sente pas des notes d'élevage, de travail de cave. Au niveau de la méthode culturelle. Oui. Alors, mon père a commencé en agriculture biologique fin des années 90. Hein, c'était un précurseur. Un précurseur, et c'était vraiment difficile pour lui parce que le Clos Saint-Landelin est un vignoble en terrasse, donc il y a à chaque fois une rangée de vignes, une petite marche, une rangée de vignes. C'était très facile de désherber chimiquement. Ouais, c'est sûr, c'est la facilité, hein. Après, mon père a dû développer les outils pour arriver à travailler le sol sous le rang. Et ça, c'était très compliqué pour lui. Donc, il a commencé l'agriculture biologique. Au même moment, il a eu l'idée, il a compris qu'il fallait avoir des très hautes densités de plantation. Attention. Tout ce qu'on fait depuis 25 ans maintenant, c'est planter à 10 000 pieds par hectare. C'est capital pour nous sur le Clos Saint-Landelin. Dès qu'on a une concurrence très forte entre chaque pied, c'est comme dans une forêt. Quand il y a beaucoup d'arbres serrés, ils vont chercher très très haut. Pour les racines de la vigne, c'est pareil. C'est vraiment planté, serré. Les racines sont obligées d'aller chercher très bas. Et ce qu'elles arrivent à trouver, c'est justement dans ce sous-sol calcaire, tous les éléments minéraux qui font les caractéristiques de nos vins. Donc ça, c'était pour ce que mon père a fait. Ensuite, ma sœur et moi, un petit peu plus tard, on a poussé ces idées vers la biodynamie, voilà. Toujours dans la recherche de l'expression vraie
du sous-sol dans nos vins. Et je pense, et vous en félicite, c'est pour moi aujourd'hui le mode de viticulture qui souvent permet de rendre l'éclat justement de vos différents terroirs et mettre en avant et surtout optimiser votre travail à la cave et surtout mettre vraiment de manière très très précise et réaliste la belle définition de chaque terroir que vous exploitez. Mmh. Et je trouve que c'est aujourd'hui un des modes de viticulture qui devrait vraiment être beaucoup plus étendu et utilisé. Tout à fait. Et la biodynamie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est revenir à comment nos arrière-grands-parents travaillaient avant la Deuxième Guerre mondiale, avant l'apparition de tous ces produits chimiques. C'est sûr. Et l'arrière-grand-père, il avait déjà acquis des sensations avec la lune, il savait, il connaissait les coefficients de marée, il savait quand est-ce qu'il fallait soutirer un vin pour que ça soit le plus utile pour avoir un vin clair. Hein. Ils n'avaient pas les moyens de filtration très techniques qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Mais ils avaient, le plus important, du vrai bon sens. Ils avaient du vrai bon sens. Mon arrière-grand-père, hein, il ne savait pas écrire le français. Il a tout appris de A à Z en passant du temps dehors, en observant les plantes, les sols, les animaux qu'on peut trouver dans les vignes. Alors Thomas, tu nous fais l'honneur et le plaisir de ce qui représente pour moi une des cuvées majeures de vin rouge alsacien. Tu nous en dis quelques mots ? Ben oui, avec grand plaisir. Ce pinot noir, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la famille et du terroir. Rouffach était la seule commune au XVIIIe siècle où les vins rouges étaient plus réputés que les vins blancs. On disait, bon, si tu vas à Rouffach, tu peux aussi boire des vins blancs. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était très, très important pour nous, quoi. C'est un terroir sur le haut du Clos Saint-Landelin où il y a pas mal de fer. L'ancien nom de Rouffach en latin était Roubaix Acum, les eaux rouges. Quand il pleuvait beaucoup, ouais, quand il pleut, c'est pareil encore maintenant, ouais, bien évidemment, les eaux de ruissellement sont vraiment c'est chargées. Rigueuse. Voilà. Donc c'est ce qui fait, je suppose, une des caractéristiques de nos vins et pourquoi ces vins-là étaient réputés depuis déjà quelques siècles. Et historiquement aussi, pour ma sœur et moi, c'est quelque chose qui est très important parce que quand on était gamin, on voyait notre père là dans sa cave à barrique chaque samedi matin, tu vois, quand on n'était pas à l'école, il faisait les ouillages, il goûtait. Alors c'était quelque chose qui était très différent pour nous de l'élevage dans les grands foudres en bois alsaciens, qu'on se demandait bon, qu'est-ce qu'il faisait là. Et on était toujours bercé comme ça dans cette idée de vin rouge. Et notre père a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Lui, il y croyait tout de suite que l'Alsace est vraiment une région avec un potentiel fou pour élaborer des grands vins rouges. Ben, on va justement se rendre compte par nous-mêmes. Ça, c'est sur ce millésime 2011. Ce qui m'intéressait, c'était que tu nous emmènes une bouteille quand même de quelques années d'évolution. Oui. Et c'est vrai qu'une année un peu, qui était un peu solaire, quand même assez intense sur maturité, pour moi, était plus que bénéfique pour justement exprimer justement ce style qui est très singulier chez vous et qui, pour moi, fait partie, encore une fois, de ce qui se fait de plus précis et représentatif du potentiel justement des grands vins rouges d'Alsace. C'est vrai que 2011 est comme beaucoup d'années, hein, ces 30 dernières années. Il y a eu un début de saison très très chaud, floraison précoce entre janvier et fin mai. On a eu 40 mm de pluie seulement, c'est vraiment rien. C'était vraiment sec. Il y a seulement eu juillet où il a plu. C'est des raisins qui ont été vendangés le 1er septembre. Mais il faut savoir, le Clos Saint-Landelin arrive à maintenir, à contrebalancer ses maturités. L'enracinement profond des vignes permet d'avoir une alimentation en minéraux et en eau qui est quand même plus ou moins constante sur l'année. Et permet justement d'éviter tous ces stress hydriques inhérents aux années un peu ensoleillées. Oui, mais je reviens encore sur ce vignoble particulier qu'est le Clos Saint-Landelin. Si la vigne ne peut que survivre si elle est enracinée profondément. Donc quand on fait nous une nouvelle plantation, quand on doit replanter une parcelle pour changer le matériel végétal ou quoi que ce soit, c'est quelque chose de très important et qui est souvent compliqué pour nous, qui nous demande énormément d'attention. Alors Thomas, cette bouteille, comment veux-tu qu'on la conditionne ?
C'est un de 2011, hein, les Clos Saint-Landelin, quoi qu'on en fasse, sont des grands vins de garde. Ouais. Je pense qu'un petit peu d'oxygène lui ferait du bien. Bon, avec grand plaisir, on va le passer en carafe. Allez, super. Alors, c'est toujours un plaisir de déboucher une bouteille de ce superbe vin rouge, parce que aujourd'hui, ça reste, encore une fois, pour moi... Je vais être vraiment très très sincère. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Alsace sur le, sur le vin rouge en ce moment. Mmh. Et ce qui me. Vraiment, ce qui me. M'incite à mettre en avant ce grand cépage, c'est que vous arrivez, malgré encore une fois un type d'élevage un peu. Un peu atypique ou quand même pas trop trop alsacien, a gardé une identité qui pour moi est tout simplement magnifique. Mmh. Mais si tu veux, même d'élevage alsacien, très bien. Plaisir. Même l'élevage alsacien, c'est dans des choses qu'on ne sait plus. Il y a sur le Pinot Noir, tout le travail de la vigne, mais aussi le travail de cave ne s'est pas transmis comme ça s'est passé pour les Blancs, Riesling et Sylvaner. Ouais, c'est un régal. C'est vraiment une superbe définition du Pinot Noir, toujours sur ce registre un peu solaire, un peu marqué par un élevage que je trouve vraiment, vraiment splendide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste, si tu veux, pour moi, dans l'idée, vraiment un vrai cas d'école. Mmh. Alors on va le faire couler doucement, de manière à ne pas trop l'émulsifier, et surtout... préserver quand même cette superbe palette autant odorante qu'aromatique. Et je t'assure, je me réjouis vraiment de le déguster, parce que c'est un vin vraiment qui, depuis que j'ai la chance de progresser dans votre superbe région, me fascine. C'est vraiment, pour moi, de la très belle ouvrage et un plaisir à chaque dégustation et bouteille... Et bouteille ouverte. Bah écoute, pour nous aussi, le plus important pour nous, c'est le plaisir qu'a le client. Tu sais, déjà, moi, ce que j'avais toujours tendance à dire à l'époque où j'étais sommelier, ce qui me faisait plaisir déjà, c'est qu'on a affaire à un vrai vin rouge. Mmh. Et ça, c'est vrai, tu sais, ces robes qui sont rouge rubis, profondes, avec un reflet qui marque encore une jeunesse remarquable. Moi, déjà, je pense que pour la région, même si, encore une fois, c'était les premières années où le vin d'Alsace, en tout cas, vous avez toujours été, je pense, un guide dans la voie d'un vin d'Alsace rouge de qualité supérieure. Mmh. Mmh. C'est vrai que ce qu'on a toujours remarqué chez vous, c'est des robes quand même de vrai vin rouge. Mmh. Même si le Pinot Noir, de manière, je serais tenté de te dire, de manière naturelle, n'est pas le cépage le plus teinté, en tout cas, ou qui a la capacité justement à être trop profond. Mmh. Après, ce qui vraiment m'impressionne, c'est les gammes d'odeurs. Ce que j'aime dans ce nez, c'est que c'est franc, plaisant, on sent ce registre un peu boisé noble qui est, après bientôt 7 ans d'évolution, qui marque quand même un niveau d'équilibre qui est splendide. Et puis, tu sais ce que je pense, c'est que le Pinot Noir, pour moi aujourd'hui, s'appuie sur le bois et surtout, le bois lui permet de trouver un éclat qui est rare. Le Pinot Noir a besoin d'un petit peu d'oxygène. C'est pas des cépages bordelais qui ont besoin de beaucoup d'oxygène. Donc, notre travail en cave est aussi de trouver le juste contenant, que ce soit des demi-muits, que ce soit des barriques, l'âge des barriques, pour arriver à donner une stabilité au vin, à donner un éclat qui nous paraît le plus juste par rapport au terroir. Mais tu sais, ce qui est remarquable, c'est la complexité que tu retrouves dans ce nez. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on l'aère un peu, on revient, c'est vrai, sur des vins sur des odeurs un peu de fruits rouges, un peu de fruits rouges à l'eau de vie, un peu chocolaté, avec une note un peu florale. Pour moi, c'est même, j'ai bien sûr le fruit, mais je sens déjà venir un peu certains côtés garrigues, presque un petit peu d'olive noire, comme ça. Alors, et c'est vraiment ce nez qui n'est pas comme ça que du fruit, que
Personnellement, à mon goût, j'aime beaucoup dans ce vin-là. Mais ça, je pense que c'est la singularité du Clos Saint-Landin. Je me souviens avoir marché avec papa dans les vignes et on se rendait compte que cette influence, un peu, enfin, cette exposition vraiment sud, enrichissait et permettait justement des niveaux de maturité qui, tous les ans, assuraient en tout cas de la profondeur, je pense, et surtout la substance d'élaboration, donc de vrais vins rouges. Et ça, j'en garde un souvenir, mais vraiment qui est dans l'idée justement, oui, de ce registre un peu typé méridional. Pour moi, c'est l'essence et l'ADN du Clos Saint-Landin. Mais ce qui est aussi important là-dedans, c'est le matériel végétal. Ça a été vraiment important pour nous de bien choisir par des successions de générations de sélection massale, arriver à retrouver des petites grappes bien aérées qui arrivent à tenir le coup même dans des années comme 2011. Je te félicite parce que sur un millésime solaire comme l'a été 2011, votre force, c'est de proposer un profil qui garde de la finesse, de l'élégance, une trame verticale qui justement rend un peu l'éclat justement du cépage, avec, encore une fois, aucun déséquilibre sur le support alcool, mais surtout qui préserve une pureté de fruits, qui rappelle un peu bien sûr tout ce qu'on avait au nez, à savoir un peu tout ce qui était un peu fruits rouges en surmaturité, des notes finement boisées avec ce registre fin, un peu fumé, mais surtout cette pointe un peu florale qu'on retrouve en bouche, qui pour moi aujourd'hui est l'apanage justement d'épineux noirs de qualité supérieure, avec une maturité de tanin qui est exemplaire. Il y a juste cette pointe un peu ferme justement d'extraction, mais élégante, distinguée, sans justement partir sur des déséquilibres qui à terme, en plus que de faire perdre un peu de l'éclat justement du fruit, tu n'arrives même plus, je suis tenté de te dire, souvent en fonction de l'extraction et des supports alcool, tu n'arrives même plus à terminer les bouteilles. Alors que là, c'est des concentrations aériennes qui, pour moi, en Alsace, sont quand même assez rares. Et qui, encore une fois, m'encouragent et me confortent dans l'idée que l'Alsace aujourd'hui, et tu nous en fais justement, tu nous en donnes l'exemple, l'Alsace aujourd'hui, pour moi, est un grand terroir rouge en devenir. Tout à fait. Et maintenant, je pense aussi au reste du Grand Cru Fort-Bourg. Hein, on a le Pinot Noir V. La grosse différence pour moi, c'est vraiment ces impressions salines et minérales en finale. On a une attaque, on avait ce nez très aromatique, très fruité. Mais dès le milieu de bouche, on a, je ne sais pas si c'est directement les grès calcaires ou le fer comme ça, qui viennent un petit peu te chatouiller les joues comme ça, et finir, malgré les grandes maturités de 2011, sur quelque chose de très appétant, de sec, de minéral. Et c'est vrai qu'encore une fois, tu as juste cette pointe d'astringence très bienvenue, qui structure et qui justement caresse un peu l'intérieur donc, du palais. Mais quand je vois la persistance de ce vin, je me dis que, alors bon, là, on le déguste vraiment très ou trop jeune, quoi qu'il arrive. Oui, évidemment. Je ne l'ai jamais goûté aussi bon qu'aujourd'hui. Mais dans l'idée, si tu veux, dans l'idée d'un vin d'avenir, je pense qu'entre 15, 20 ans encore de stock ne lui feront que le plus grand bien. Oui, là-dessus, on est sur, pour moi, aujourd'hui, un profil de grand pinot noir d'avenir et qui, depuis des années, parce que je reste persuadé que vous avez été précurseur donc dans l'idée, justement, de la vision du papa donc sur le potentiel aujourd'hui de ce vin rouge sur votre terroir. Pour moi, aujourd'hui, j'ai toujours connu le pinot noir du domaine Clos Saint-Landelin, vraiment toujours éblouissant, en fonction des millésimes, à travers bon an, mal an. Et c'est vrai que, pour moi, aujourd'hui, vous représentez une des grandes références, en tout cas, d'élaboration donc, de grands vins rouges d'Alsace. Et c'est ce 2011, pour moi, vraiment un avenir tracé devant lui, mais qui, s'il y a la possibilité de pouvoir le regoûter encore dans 10-15 ans, je pense qu'il n'y aura que des très bonnes surprises. Ah bah écoute, super. Et surtout, si on arrive à conserver quelques magnums encore, ça sera encore mieux. Mais magnum, c'est vrai que ça, pour moi, je pense que c'est un vrai, vrai privilège. Et c'est vrai qu'en plus que, je serais tenté de te dire que la beauté du contenant, je reste persuadé que le magnum aujourd'hui pour moi, et surtout la flûte à vin du Rhin pour moi,
est le contenant idéal qui va permettre encore d'optimiser et de valoriser dans le temps justement cette superbe matière première initiale. Mmh. Thomas, qu'est-ce qu'on mange avec ça ? Là, on a quand même pas mal de choix à mon avis, mais personnellement, je resterai sur des choses fines, délicates. Les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est le gigot d'agneau que ma mère fait quand c'est la fête à la maison, le dimanche midi, des souvenirs un petit peu d'enfance, sur des arômes simples, hein, sur une chair douce. On ne peut pas, à mon avis, envoyer des plats comme ça avec énormément d'arômes ou des choses charnues. Il faut rester sur une viande pulpeuse. Ouais, l'agneau, ça me paraît une bonne idée. Et la deuxième idée que j'aime aussi, qui est peut-être un petit peu moins conventionnelle, c'est sur des poissons comme le rouget. Comme on a ces tanins très fins, cette finale un petit peu saline qui rappelle une forme minérale, c'est une association superbe. C'est sûr que ça marche du tonnerre. Tu sais, moi, ce à quoi ça me fait penser, ces associations, je les aime vraiment sur des viandes d'un niveau de qualité qui soit remarquable. Et les plumas de porc ibérique, d'accord, pour moi aujourd'hui, avec leur côté fumé qui justement colle à merveille avec le côté un peu toasté et, et très fin justement de ce pinot noir, mais surtout avec la pulpe, la substance de ce vin et justement cette précision d'équilibre de bouche, l'associer à une viande donc à chair grasse. Et cette viande, qui pour moi est une des plus goûteuses qu'on puisse retrouver justement dans le monde gastronomique, pour moi est millimétrée pour ce type justement d'équilibre de vin. Si en plus tu la travailles avec un peu de thym, avec du romarin, vraiment avec une garniture assez méridionale, je pense que les combinaisons peuvent être des plus intéressantes. Je pense aussi. Et surtout qu'on a ce côté un peu sanguin dans le vin, que je tout pense qu'il pourrait bien marcher avec cette viande grasse. On a quelque chose d'appétant, désaltérant ici avec ce genre de plat. Et surtout, c'est qu'encore une fois, on est sur un vin qui fait saliver. Mmh. Et à partir de là, et sur cette précision justement d'équilibre de bouche, associer une viande à chair grasse peut être vraiment du plus bel effet. Mmh. Thomas, je te remercie de nous Merci avoir rendu toi, visite, Pascal. De nous avoir apporté justement un vin de cette superbe qualité qui ne fait que m'encourager, vous encourager à continuer dans cette voie justement de l'excellence et surtout qu'à terme qu'on arrive enfin à obtenir cette classification de grand cru pour les grands pinots noirs d'Alsace. Et puis je vous remercie mille fois de votre attention et vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle personnalité du monde du vin qui, je l'espère, vous fera plaisir. À très bientôt, j'espère. Merci, bonne dégustation. Santé, Pascal. Merci Thomas, c'est un Merci plaisir. Pour ton implication. Bravo. À bientôt. À bientôt.